Assalamu alaikum, fad la vidéo, c'est la vidéo numéro 11 des concepts de base de la comptabilité générale. Ranchofou, un cas pratique, exercice corrigé, le système classique d'enregistrement comptable. Le bilan de départ, celle, la balance. Le bilan de départ, le journal, le gros livre et la balance. Pour Ranchofou maintenant, la notion des grands livres et de la balance. Car pratique, on dit la situation de l'entreprise ABC spécialisée dans la commercialisation des vêtements au 2-1-2021 comprend les éléments suivants. Donc, les éléments qui nivellent la situation de l'entreprise. Le bilan de départ. D'immobilier de bureau, c'est 30 000. Les bureaux, les tables, les chaises, les placards, les armoires et les mobiles dans leur bureau. L'entreprise qui sert maintenant, je compte l'actif immobilisé. Fournisseur d'immobilisation, ou la personne qui s'élève l'entreprise, ou le qui moule l'entreprise, les éléments de l'actif immobilisé. Ou qui se relance à l'acteur maintenant, qui est bien l'inabel crédit, ou qui se relance à l'acteur maintenant, qui est bien une immobilisation. L'emprunt auprès des établissements de crédit. Au moins le crédit, est le quand c'est le fonds de la banque, ou une société de crédit, ou quand c'est le fonds de l'acteur maintenant. La marchandise, il y a la marchandise, le qui n'a le stock de l'entreprise. Là, il y a la marchandise qui n'a dit les vêtements. Au moins, le gâchis, au chérifium, l'entreprise. La caisse, la petite caisse, flouze de l'entreprise, le qui n'a le coffre-fort de l'entreprise. Des fournisseurs, c'est où la personne qui mourne les éléments de stock, et bien la marchandise, et bien la matière première. C'est un élément de passif circulant. Le fonds commercial, au moins l'emplacement de l'entreprise, le droit de bail, le nombre de clientèle. C'est un élément de l'actif immobilisé, plus précisément immobilisation incorporelle. Matériel de transport, les moyens de transport, les voitures, les camions, les véhicules, les avions, les bus, les bateaux, etc. fait partie de l'actif immobilisé, immobilisation corporelle. Le capital, non, le capital ou l'entreprise, qui est un capital social ou capital personnel. Capital personnel, mais qu'est-ce que l'entreprise individuelle ou l'indi, smia, diel, charso, l'entreprise diel, ouais, c'est capital personnel. On a. C'est un capital social, mais qui est autre que les noms propres, autre que Smith et l'Ashras. Ou là, ce qu'on a dit, société. Société, ou ce qu'on a dit, n'importe quel nom. La société, c'est un capital social. La banque, le flou de l'entreprise, le compte banque de l'entreprise. L'État créditeur, mais qu'est-ce qu'on a donné, c'est les impôts de l'entreprise. C'est la taxe sur la valeur ajoutée, ou l'impôt sur le revenu, ou l'impôt sur les sociétés. Les créances clients. Au moins le flou, c'est qu'est-ce qu'on a dit à l'entreprise, qui a des clients, mais qu'est-ce qu'on va aller avec le crédit. Maintenant, savez-vous, c'est les éléments de bilan de départ. La présentation des bilans suivant le code général de la normalisation comptable, il y a dit, quand même, le titre de bilan. C'est bilan de l'entreprise ABC au 2-1-2021. Quand même, les éléments de l'actif immobilisé. Au moins, les éléments possédés par l'entreprise et gardés par elle-même pour une durée durablement par l'entreprise. Ça sert de bien. كثر من عام كتملك لكم لونتربريز وكتحسب ديون كثر من عام بحال مثلا لو فون كوميرسيال لو فون كوميرسيال سي 120 000 درهم الا شريت الساروت ما غتعاودش تبيعو الغد دارت لا فيديليزاسيون دي كليون ما غتفرطش فيهم غتبقى محتفظ بيهم ديما دارت واحد لومبلاسمون في السونتر فيل ما يمكنش تفرط فيه الغد اللي كتبقى عندها لي ليمون سويفون سي ماتيريال ترونسبور ملي كتشري ان مويان دو ترونسبور كتحسب بيه كثر من عام 150 000 او ميم شوز بور لي موبيليي دو بيرو سي 30 000 لاكتيف سيركيل au moins les éléments lesquels a de l'entreprise possédés par l'entreprise pour une durée inférieure ou égale à une année. Par exemple, les stocks, à dire la marchandise 50 000 ou à dire les clients 50 000. Clients, on va quand tu vas acheter ou quand tu vas te faire plus de 10 ans, quand tu vas acheter, tu vas le faire en moins d'un an. Pour une durée inférieure, la récupération ou le remboursement de l'aide, les créances clients, ça se compte pour une durée inférieure ou égale à une année. La trésorerie active, c'est la liquidité de l'entreprise. Flows de l'entreprise, les kinaf la banque, 140 000. Flows de l'entreprise, les kinaf la petite caisse, c'est 60 000. Ou quand je mets le total, 600 000. Ou le total actif, dis-moi que c'est le total passif. L'année prochaine.
Le financement permanent, c'est les ressources permanentes de l'entreprise. Le premier élément, c'est le capital censé être des ressources qui sont de l'entreprise. On va trajeter alors une durée supérieure à une année. Le capital social, mais qu'il y a les associés, c'est le contrat de l'entreprise. C'est le 99 ans ou là, c'est une force majeure. Il y a la part de l'homme qui a le capital. L'emprunt auprès des établissements de crédit, mais une société de crédit, un emprunt, dit que c'est l'actionnaire. 200 000. Et le fournisseur d'immobilisation, qui vient les éléments de l'actif immobilisé, le crédit, ou le flas qui compte 60 000. Et pour le passif circulant, c'est les dettes et les ressources à court terme. C'est inférieur ou égal à une année. Trajet les ressources, les dettes, les kinif passif circulant, dit madame une durée inférieure ou égale à une année. Ou les 12 mois. C'est le fournisseur qui m'a le neuf, les éléments de l'actif circulant, les éléments de stock. Et bien, on a le crédit. Ou le flas dialo, quand on a le sauf, l'État créditeur, la taxe sur la valeur ajoutée, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, ou c'est 4 pour une courte durée, c'est 10 000. Ou la trésorerie passive maintenant, donc, n'est-ce pas le capital. Donc, le capital est 600 000, est le total qui est développé passif, nous avons les éléments. 2 000, 60 000, 330 000, 10 000. Donc, on va 300 000. Voilà le capital social. Mais quand dire la présentation du bilan, quand dire la réouverture des comptes du bilan au journal. Le bilan quand c'est le journal de l'entreprise. Les éléments les adam sold débiteurs quand c'est au débit. Les éléments les adam sold créditeurs quand c'est à crédit. Journal de l'entreprise ABC. Voilà la présentation du journal. De la date c'est le 2/1/2020. Dire au débit c'est le 2230, c'est fonds commercial des éléments de l'archive, ou un seul débito qui est sigilo au débit. 2340, c'est matériel de transport, 150 000. 2351, mobilier de bureau, 30 000. 3111, marchandises, c'est 50 000. 3421, c'est clients, 50 000. La banque, 5141, c'est 140 000. La caisse, 60 000. 1111, c'est capital social, 300 000. 1481, c'est emprunt auprès des établissements de crédit, 200 000. 1486, c'est fournisseur d'immobilisation, 60 000. 4411, c'est fournisseur, 30 000. 4450, la DR 445, on considère que 4 4 chiffres, parce que vous voulez un compte principal, c'est état créditeur, c'est 10 000. Le label, c'est apport initial. Ou quand on a la fin d'exercice, ou j'ai un stock final, ou le mandi, si on a un stock final, on dire l'annulation du stock initial de la marchandise, ou le stock de marchandise, ou qu'on a le bilan. Donc, la même date, on dire un stock final, la fin de l'exercice, on dire l'annulation du stock initial. À 10 114, c'est variation du stock de marchandises, c'est 50 000, ou à de le bilan, c'est le montant du stock initial. On crédité 3111, c'est marchandises, c'est 50 000. Donc finalement qu'on a dit un élément de stock, qu'on débité la variation de stock, on crédité le compte du stock de la classe 3. L'équipe la classe 3 gagne le stock, je m'en la classe 3, c'est annulation du stock initial de marchandises. On me les rassemble les qu'on dit le total à reporter. On a dit c'est 650 000. Au cours de l'exercice 2021, l'entreprise ABC a effectué les opérations suivantes. Dès le 15-1-2021, vente de marchandises contre chèque de poste numéro X21 de 30 000 dirhams. L'entreprise vend des marchandises, donc a crédité vente de marchandises. Mais qu'est-ce qu'on une sortie? Je les qu'on fait la sortie, c'est à créditer. Ou les qu'on fait des entrées à débiter. Ou je dette le flux par chèque de poste. Donc à débiter, chèque posto. D'accord, le flux, le posta. C'est chèque posto.
كنبدا لا باس سويفونس بار لورو بور ان نوفو سي 650000 هو لو توتال غوبورتي اللي كان في لا باج بريسيدونت حيت كل لا باج نيميروتي كل لا باج عندها ان نيميرو كيكون فيها لو توتال غوبورتي ولا باس سويفونس غيكون فيها لو غوبور ان نوفو La date, c'est le 15-1-2021, a débité centre de chèque postaux, c'est 5146, c'est chèque postaux, le montant, c'est 30 000, a d'achlet, le flou, a des entrées, c'est a débité, c'est un emploi. Et le 7111, c'est accrédité vente de marchandises. Rest la marchandise, accrédité vente de marchandises. Bet la marchandise, 30 000. C'est chèque postaux numéro X21. Quand nous l'opération suivante, le 10-2-2021, règlement à crédit des frais suivants. Khalas nabel crédit, les frais suivants. Donc la ressource, dans ce cas, c'est le fournisseur. La réparation d'une machine, c'est un emploi. Salahna, une machine, c'est un emploi. De 4500 factures, numéro 14. Emploi, c'est à débiter. La prime d'assurance. Khalasna l'assurance sur les véhicules ou sur les matériels de transport, c'est 2500 dirhams. C'est un emploi. Facture numéro A15. Donc, on a débité entretien et réparation et la prime d'assurance est de créditer le fournisseur. La date, le 10-2-2021, a débité 6133, c'est entretien et réparation, c'est 4500. Il m'a salah un élément, le matériel, soit une machine, soit un matériel de production, soit un matériel industriel, soit des voitures, soit des camions, soit des ordinateurs. C'est entretien et réparation. 6134, c'est la prime d'assurance. Il va l'assurance, elle est les véhicules, l'assurance, elle est les machines. C'est prime d'assurance, c'est 2500. Il y a accrédité 4411, c'est le fournisseur, mais le classe accrédit. C'est facture numéro A14 et A15. L'opération suivante, le 28-3-2021, on a emprunté 100 000 dirhams. C'est le 100 000 dirhams, une banque qu'on déposait au Hattaina, 80 000 BMCE, la banque marocaine du commerce extérieur. Et le reste au CCP, au centre de chèque postal. Et l'avis de crédit, c'est numéro 250. C'est le FNA, un emprunt. Donc l'emprunt, quand tu as une sortie, c'est une ressource accréditée. Ou la banque, ou le centre de chèque postal a débité. Quand tu as des entrées, a débité. Donc la date, le 28-3-2021, a débité de 5146 chèques postaux de 20 000 dirhams. Et 5141, c'est banque, c'est 80 000 dirhams. C'est le FNMIS 11, 80 000 rachetaina à la banque, ou le rachetaina à la poste de 20 000 dirhams. Il y a crédité 1491, emprunt auprès des établissements de crédit. 1481, emprunt auprès des établissements de crédit de 100 000 dirhams. Les belles, c'est avis de crédit numéro 245. Le 28-3-2021, dans la même date, acquisition d'une voiture utilitaire à 150 000 dirhams. Réglé 50 000 dirhams par chèque bancaire, numéro 152, 20 000 par chèque de poste ou le reste à crédit de 3 ans. Shrina, une voiture utilitaire. Shrina, 1500. Donc, là, à des entrées d'une voiture. C'est à débiter de matériel de transport. Ou bien, Shrina, خرجت الفلوس من لا بونك سي شيك بونكير 50000 خرجت من لو سونتر دو شيك بوستو 20000 و لو غيست غيبقاو يتسالو ليا على 3 سنين غنخلصو على 3 سنين ملي كتكون شريت ان ايموبيليزاسيون ا كريدي و لا ديغي ديال الخلاص كثر من عام سي فورنيسور دي موبيليزاسيون هو اللي غيبقى يتساني دونك لا ميم دات سي دي تو اي دي بي تي او دي بي سي 2340 matériel de transport de 150 000 et accrédité 5141 c'est la banque 50 000 5000 chèques postaux de 20 000 et 1486 c'est fournisseur d'immobilisation le reste c'est 80 000 c'est chèque bancaire numéro 125 plus chèque poste de poste numéro 421
On dit, mais là, c'est la fin de la page, on dit le total à reporter. Le total à reporter, c'est 650 000 plus 30 000 plus 4 500 plus 2 500 plus 20 000 plus 80 000 plus 150 000. Regardez, 937 000. Total débit, dis-moi qui c'est, oui, total crédit. Ouvre la page suivante, c'est-à-dire le report à nouveau, 937 000. Le 10-5-2021, achat des marchandises et des fournitures de bureau pour 30 000 et 5 000 à crédit de l'entreprise. Allez, Shrina des marchandises, ou Shrina des fournitures de bureau, ou Hdeb 5000 à crédit, la facture numéro 5. Donc, d'achat la marchandise, d'achat les fournitures de bureau. Donc, on débitait l'achat de marchandises, on débitait l'achat de fournitures de bureau. On créditait le fournisseur, c'est la ressource. La date le 10-5-2021 a débité 6 111 achats de marchandises, 30 000. Et l'autre compte a débité, c'est 6 125, 4, c'est achats de fournitures de bureau. Mais qu'est-ce qu'on a dit? Aucune information à la fourniture de bureau, ce qu'on a acheté, la fourniture de bureau, ce que les chérina, ou est-ce pour le stock, ou est-ce stocké, ou est-ce non stocké, qu'en dire? Non stocké, qu'en dire? 6 125, 4. Mais la chérita pour le stock, on dit 6 122, 7. La chérita pour le stock. Donc, là, on a dit aucune information, on dit l'achat consommé de matières et fournitures. C'est 6 125, 4 achats des fournitures de bureau, 5 000 dirhams. On crédité 4 411, c'est le fournisseur de 35 000 dirhams. C'est facture numéro 5. L'opération suivante, c'est le 29-7-2021, encaissement de loyer par chèque bancaire, numéro 153 pour 7 000. Tchallasna fil-kra, l'kra, par chèque bancaire. Donc, on débitait le compte banque, on créditait le loyer. Le loyer, dans ce cas, c'est location diverse aussi, ou la vente de produits accessoires. C'est une ressource, c'est un produit, c'est de la classe 7. Le 29-7-2021 a débité 5 141 essais la banque de 7 000 dirhams. On crédité 7 127. Hein, c'est location diverse aussi. 7 000 dirhams, c'est le compte. Et le tchallasna felkra. On a dit 7 127 vente de produits accessoires. C'est chèque bancaire numéro 153. Le 15-11-2021, payer les frais suivants. Khalasna les frais suivants. Khalasna les frais de transport. Adna le personnel, quand khalasna le transport, c'est un STCR, ou un transport, une société de transport, ou l'ONCF, ou la 7e, etc. Même quand khalasna des frais de transport. Mais si les moyens d'yenna. Frais de transport 5 000, khalasna un chèque de poste. Donc, خرجنا الفلوس من شيك دو بوست. دونك نخرج الفلوس من شيك دو بوست سي اكريديتي شيك بوستو. وهنا لو ترونسبور سي ان امبلوا غنديبيتي ترونسبور سي اون شارج. لي سالير خلصنا لي سالاري بار شيك بونكير. غنهز الفلوس من لا بونك بشيك بونكير نكريديتي لا بونك ونديبيتي لي سالير سي ريمينيراسيون. Le 15-11-2021 a débité 6 142 transports, c'est 5 000, et a débité aussi 6 171, c'est rémunération de personnel, c'est 15 000, et a crédité 5 141, c'est la banque, c'est 15 000, les salariés. Et le transport par centre de chèque postal, 5 146, c'est chèque postaux de 5 000. Chèque bancaire numéro 154 plus chèque poste de poste numéro 426. Total à reporter, c'est 999 000. Je mets 937 000 plus 30 000 plus 5 000 plus 7 000 plus 5 000 plus 15 000. Ça fait 999 000. C'est le total à reporter. Et le report à nouveau, la page suivante, c'est 999 000. Le 30-11-2021, retour de marchandises non conformes à la commande de 8 000 dirhams à l'entreprise Ali. Chérina, des marchandises à l'entreprise Ali, ou ma jbetnèche, rjana Ali, ou ma jbetnèche, d'akchi le commandina. Donc, on dit, annulation de l'achat de marchandises. On débite le fournisseur, ou là, ça a des entrées.
او نكريديتي لاشات مارشانديز حيت كاينه فيها ان سورشي غندير انيلاسيون دو لاشا. كانت عندي لاشا او ديبي ولكن ملي رجعتها لي لاشات مارشانديز لو فورنيسور غترجع عندي كريدي وغنديبيتي لو فورنيسور حيت رجعت ليه لا مارشانديز ديالو. لو 30/11/2021 a débité le fournisseur, la marchandise de 8000 dirhams. On crédité 6111, c'est achat de marchandise, c'est 8000 dirhams. Mais le client ou la marchandise a débité vente de marchandise. On crédité le client, dire l'annulation de la vente. C'est l'annulation de l'achat. دو مارشانديز حيت ما عجبتناش لا مارشانديز ورجعناها لو فورنيسور. الا كنا حنا شريناها كنديبيتي اشاد مارشانديز ونكريديتي فورنيسور، ولكن ملي رجعتها ليه غنديبيتي لو فورنيسور حيت شد لا مارشانديز ديالو ولات عندو دي زونتخي، وحنا خرجنا لا مارشانديز من لو ستوك، خرجناها من لو ستوك. دونك سي لاشاد مارشانديز كدير ليها انيلاسيون تولي ا كريدي. سي فاكتور افوار نيميرو 15 Le 8-12-2021, vente de marchandises à 20 000 dirhams payables, 5 000 en espèces et le reste à crédit. Ben, des marchandises. La vente de marchandises est à crédit. Il y a des sorties. 5 000 en espèces, la petite caisse. Ou le reste, on prend le client. Donc, les crédits, les rendibilités, c'est la caisse et le client. La caisse, 5 000 et le client. 15 000. On crédite la vente de marchandises 20 000. Donc le 8-12-2021, on débite 5 161 la caisse 5 000. Mar le compte client 3 421 15 000. On crédite 7 111 vente de marchandises 20 000. Facture numéro V10. Le 20-12-2021 reçut un avis de crédit numéro 150 relatif aux intérêts du quatrième trimestre d'un prêt de 8 000 dirhams. Et mais quand j'ai avis de crédit, quand on a fait le flux, on retrouve le compte banque. C'est la banque a débité. On a des intérêts du quatrième trimestre d'un prêt. On a fait l'intérêt à crédit. C'est intérêt et produit. Assimilé, c'est un produit financier de la classe 7, c'est 7381. Le 20-12-2021 a débité 5141, c'est la banque de 8000 dirhams. Et a crédité 7381, c'est intérêt produit assimilé au sud de 8000 dirhams. C'est avis de crédit numéro 150. Mais il y a des avis de crédit. On débite le compte banque. Ou là, quand on a des avis de débit, on crédite le compte banque. Est-ce que tu sors le flux, c'est le compte banque. C'est à créditer. On a des avis de crédit, c'est à débiter le compte banque. La banque, c'est à l'emmener, c'est à l'emmener, c'est à l'emmener le flux de le compte banque. Ou le flux rajeunit, c'est les intérêts. C'est intérêts produits assimilés. Le 29-12-2021, aussi une commission accordée par l'entreprise Aziz pour une vente réalisée pour son compte 10 000 dirhams. Versé au compte banque. Avis de crédit numéro 125. A des avis de crédit, donc le flux de chalet, le compte banque. Donc le compte banque a débité. Ou la commission a crédité. C'est commission et courtage reçu. C'est une ressource. Le 29-12-2021, c'est à débiter 5141, c'est la banque, 10 000 dirhams, et à créditer 7127,2, c'est commission et courtage reçu, 10 000 dirhams, c'est avis de crédit numéro 150. Et le 31-12-2021, dit un stock final de marchandises 30 000 dirhams. Stock final de marchandises 30 000 dirhams, c'est-à-dire la constatation du stock final, ou déjà l'annulation du stock initial. Le 31-12-2021, c'est la constatation du stock final à débiter la marchandise, le compte de stock, c'est 3111 à marchandise de 30 000 et à créditer 6114, c'est variation du stock de marchandise, 30 000 dirhams. C'est l'inverse de l'annulation. La constatation est l'axe de l'annulation. C'est constatation du stock final de marchandises. On dit le total. Du journal, le report à nouveau,
les éléments l'offrent. C'est le total du journal. Le total, c'est 1 075 000. 1 075 000. Toujours, total débit est égal le total crédit. D'abord, on chauffe la notion des grands livres. C'est la troisième question. La première question, le bilan de départ. La deuxième question, l'enregistrement des opérations dans le livre journal. Troisième question, c'est le grand livre. On chauffe la notion des grands livres. À dire le grand livre. Le grand livre est un livre obligatoire au même titre que le journal, mais qui n'a pas besoin d'être coté et paraffé. Mais quand je fais un numéro, je cherche le cachet de tribunal. C'est un livre obligatoire au même titre que le livre journal. Quotidiennement, il est constitué par l'ensemble des comptes de l'entreprise. Qui signifie les comptes, les services, l'entreprise, le livre journal. Quotidiennement, les articles du journal font l'objet d'un report dans le compte des grands livres intéressés. Finalement, dire une opération dans le livre journal, dire le report le grand livre. Si je l'ai les comptes concernés, le grand livre. Le grand livre est un registre où sont reportées toutes les écritures du livre journal. C'est une simple définition. Le grand livre est un registre où sont reportées toutes les écritures du livre journal. Les présentations, la présentation du grand livre. La présentation du grand livre est mise en les comptes schématiques, les comptes regroupés, les comptes séparés. Les comptes séparés. La même chose là. Présentation du grand livre, enfin le grand livre, on va dire les comptes schématiques, pour le compte, on va dire le report des opérations, les kinin adouf le livre journal. Le premier compte, c'est le capital social. Le capital social, quand on chauffe les opérations, les kinin le livre journal. De devoir le journal leader, on dit là, la première opération qui est le capital social ou c'est à crédit. Donc, si je lève le compte schématique, on dira à crédit. Ou les éléments, les films apport initial, les éléments de le bilan, c'est des éléments solde initial. C'est des éléments solde initial. Les éléments, les qui la première opération, le 2-1-2021, ou apport initial, c'est des éléments solde initial. Donc, le capital fait opération ou à crédit. C'est-à-dire, c'est solde initial, c'est 300 000. Madame Kina, opération ou à dire présentation, c'est là, je régine la balance, tu vois, régine la présentation, c'est là. Tu vois, le tableau, je vais dire le report et les écritures de grand livre, la balance, c'est là, c'est-à-dire la présentation, c'est là. مادام عندي اوبيراسيون وحده ولا كون مونطون واحد اللي مسجل في لو كابيتال سوسيال غندير له توتال. عندي توتال كريدي سي 300 000، توتال ديبي سي زيرو، ما عندي حتى حاجه في الديبي، ولو سولد سي ان سولد كريديتور دو 300 000. الا درت هاد لا بريزونطاسيون كيسهل عليا نصايب لا بالونس. نشوف لو كونت suivant. Le compte suivant, c'est l'emprunt auprès des établissements de crédit, c'est 1481. C'est le livre journal, on dit les opérations, le report des montants, les kinins, le livre journal, le racine, l'emprunt auprès des établissements. L'emprunt auprès des établissements de crédit qui n'est pas l'article Loulani, du 2-1-2021, c'est l'apport initial, fait un solde initial, 200 000 dirhams. C'est le premier montant. Ok, flow 28-3-2021, a dit l'emprunt auprès des établissements à crédit, mais là, c'est dire la date. C'est le 28-3 qui a dit la première opération, flow 2-1, c'est à crédit, c'est solde initial, ou le 28-3-2021, c'est à crédit. On dit deux montants. Premier, c'est solde initial, c'est 200 000 dirhams. Au deuxième, c'est OCC à crédit sur le 28-3, c'est 100 000 dirhams. Qui n'a dit juge d'elle les montants. Aucun dire le compte. D'abord, le compte, je vais en dire le total. Total crédit, c'est 300 000. Total débit, c'est 0. On dit un solde débiteur. Solde créditeur. Donc, total débit, c'est vraiment total crédit. C'est un solde créditeur inscrit au débit. C'est solde créditeur de 300 000 dirhams. Je vous le compte suivant.
ses fournisseurs d'immobilisation. Donc, on les montants à reporter dans le compte fournisseur d'immobilisation. Je les opérations, les confirmes fournisseurs d'immobilisation. On dit, la première, c'est un solde initial des fournisseurs d'immobilisation, 60 000 dirhams. Solde initial, c'est un crédit, dit le crédit. Ou indiqué l'opération du 28-3-2021, c'est fournisseur d'immobilisation 80 000, c'est un crédit. C'est solde initial 60 000, les qui ont l'apport initial, le bilan de départ, c'est un crédit. Ou indiqué le 28-3-80 000 dirhams à crédit. Donc, total, fait de montant, total des crédits, c'est 140 000. Total débit, c'est 0. Ou le solde, c'est créditeur de 140 000 dirhams. Total débit, c'est vraiment total crédit. C'est un solde créditeur qui est sigil au débit. Le compte suivant, c'est 2230, c'est fonds commercial. Le fonds commercial qui n'a dit seulement le bilan initial, c'est fonds commercial, c'est au débit de 120 000 dirhams. C'est un solde initial. Madame Kinf, le bilan de départ, Bordeaux. C'est-à-dire, le montant de Kinf, le bilan de départ, c'est solde initial. Colchin dit le solde initial. Kinf, le montant, c'est solde initial au débit, 120 000 dirhams. Le crédit, donc total débit, c'est 120 000. Total crédit, c'est 0. Donc, c'est un solde débiteur et sigil à crédit de 120 000 dirhams. Madame a dit total débit, quoi, total crédit. Le compte suivant, c'est matériel de transport. Qui a dit la première, le bilan de départ, solde initial au débit, c'est 150 000. Matériel de transport, qui a dit le bilan de départ. Ouf, l'opération du 28-3. Du 28-3 au débit, c'est 150 000. À des deux montants, le matériel de transport. Le solde initial au débit, c'est 150 000. Ou on dit aussi au débit, c'est le 28-3, c'est 150 000. Donc, total débit, c'est 300 000. Total crédit, c'est 0. Un solde débiteur, 300 000. Madame, total débit, comme total crédit. Le compte suivant, c'est mobilier de bureau. Mobilier de bureau qui n'a dit seulement le bilan de départ. C'est solde initial au débit, c'est 30 000. Total débit, c'est 30 000. Total crédit, c'est 0. Un solde débiteur de 30 000. Le bilan, le mobilier de bureau qui n'a dit le bilan de départ, aucun au débit. Solde initial, 30 000. On dit le solde débiteur, c'est 30 000. La marchandise, 3 111. La marchandise, qui a dit le bilan de départ, c'est solde initial de 50 000 au débit. Ou qui a dit l'opération de l'annulation du stock initial, c'est marchandise à crédit, c'est 50 000. Ou qui a dit le 31-12, c'est la constatation du stock. Le 31-12, c'est au débit, c'est 30 000. 50 000 au débit. On dit le 2-1 à crédit. Le 2-1, c'est à crédit, c'est 50 000. Ou le 31-12 au débit, c'est 30 000. Total débit, c'est 80 000. Total crédit, 50 000. Ou on dit c'est un solde débiteur de 30 000. 80 000, kbar men 50 000. Donc, la différence, c'est un solde débiteur. Total débit, total crédit, c'est un solde débiteur de 30 000. Le compte suivant, c'est le client, 3421. On dit le client, solde initial au débit, c'est 50 000. Fakin, le bilan de départ. Ou on dit l'opération de 8-12, c'est au débit de 15 000. Le 8-12 au débit, c'est 15 000. Le client qui a fait deux opérations, donc qui a deux juges les montants, le client c'est solde initial, c'est 50 000. Ou le 8-12, c'est 15 000. Donc total débit, 65 000.
Au total, crédit, c'est 0. Solde débiteur, c'est 65 000. Total débit, total crédit. C'est un solde débiteur et sigil à crédit. Le compte fournisseur. Le compte fournisseur qui est le bilan de départ, c'est solde initial à crédit de 30 000. Ok, le 10-2, c'est à crédit de 7 000. Le 10-2 à crédit de 7 000. Ok, le 10-5, c'est à crédit de 35 000. Ok, le 30-11 au débit, c'est 8 000 dirhams, qui fait 4 montants. Ok, le 30-11-2021, c'est au débit de 8 000 dirhams, qui fait 4 montants. Du solde initial à crédit de 30 000 dirhams, on dit le 10-2 à crédit de 7 000, on dit le 10-5 c'est à crédit de 35 000 dirhams. On dit au débit, le montant au débit c'est le 30-11 de 8 000 dirhams. Donc on dit total débit c'est 8 000, total crédit c'est 72 000. Donc c'est un solde créditeur. Total crédit, barman total débit c'est 64 000 dirhams. Minus 20 000, nous avons maintenant 8 000, nous avons 64 000 dirhams. Sur le compte suivant, c'est état créditeur. État créditeur fait un montant ouéhed ou qui le bilan de départ. Fait le bilan de départ, c'est solde initial au solde initial à crédit, c'est 10 000 dirhams. Donc, total crédit, c'est 10 000. Total débit, c'est 0. Un solde créditeur, c'est 10 000. Le compte suivant, c'est la banque. La banque qui a dit le bilan de départ, c'est solde initial de 140 000 dirhams au débit. Donc, il a dit l'opération du 28-3 de 80 000 au débit. Donc, il a dit aussi la même date, le 28-3, mais les chérina, l'autre matériel de transport, mais les chérina des une voiture utilitaire, c'est 50 000 à crédit. Ok, le 29-7 au débit de 7 000. Ok, le 15-11 à crédit de 15 000. Ok, l'opération du 20-12 au débit, c'est de 8 000. L'opération du 29-12 au débit de 10 000 dirhams. Donc, il a 17 montants. Solde initial au débit, c'est 140 000. Le 28-3 au débit, c'est 80 000. Le 28-3 à crédit, c'est 50 000. Le 29-7 au débit, c'est 7 000. Le 15-11 à crédit, c'est 15 000. Le 20-12 au débit, c'est 8 000. Et le 29-12 au débit, c'est 10 000 dirhams. On dit total débit, c'est 245 000. Ou le total crédit, c'est 65 000. Donc, c'est un solde débiteur à crédit de 180 000 dirhams. 245 000 moins 65 000, c'est 180 000. Mais si vous avez le solde, vous avez l'égalité, mais le total débit ou total crédit. Vous avez la même fonction le solde débiteur ou le solde créditeur. Je veux dire l'égalité, mais le total débit ou total crédit. On a déjà la présentation. Je vais vous faire la présentation de la balance. Je vais vous faire la balance. Donc, le compte suivant, c'est chèque postaux. Chèque postaux, ma kin chadif le bilan de départ. Chèque postaux, kin adif le 15-1, c'est au débit 30 000. Au kin adif le 28-3, au débit, c'est 20 000. Au kin adif aussi le 28-3, à crédit, c'est 20. Au kin le 15-11, à crédit de 5 000. Donc, le compte chèque postaux, kin adif 4 opérations. Donc, ainsi qu'on a dit 4 montant. Solde le 15-1, c'est 30 000 au débit. Le 28-3 au débit, c'est 20 000. Le 28-3 au CC à crédit, c'est 20 000. Et le 15-11, c'est 5 000. Donc, total débit, total crédit, c'est 25 000. Total débit, c'est 50 000. Donc, un solde débiteur de 25 000. J'ouvre le compte suivant. Le compte suivant, c'est
La caisse qui indique le bilan de départ de 60 000 dirhams au débit solde initial au débit 60 000. Aucune indique l'opération de 20 de 8 12 de 8 12 2021 de 5 000 au débit. La caisse qui fait la caisse qui juge les opérations donc de montant à reporter. Qui indique le solde initial au débit c'est 60 000 ou le 8-12 au débit c'est 5 000. Donc total débit c'est 65 000, total crédit c'est 0, solde débiteur c'est 65 000. Le compte suivant c'est la variation des stocks de marchandises. La variation de stock de marchandises qui n'a le 2-1 ou le 31-12. Au débit, le 2-1 au débit c'est 50 000, ou le 31-12 c'est à crédit, c'est 30 000. Donc, total débit, c'est 50 000. Total crédit, c'est 30 000. C'est un solde débiteur de 20 000 dirhams. Le compte suivant, c'est 7 111. C'est la vente de marchandises. La vente de marchandises qui n'a dit le 15-11, c'est à crédit de 30 000. C'est à crédit de 30 000. Aucune a dit le 8-12, c'est à crédit de 20 000 dirhams. Qui a dit juste les opérations, les films, la vente de marchandises. On dit le 15-11, à crédit, c'est 30 000. On dit le 8-12, à crédit, c'est 20 000. Total crédit, c'est 50 000. Total débit, c'est 0. Un solde créditeur de 50 000. On dit total crédit, barman, total débit. Le compte suivant, c'est 6133, c'est entretien et réparation. Faire opération Wahda. Entretien et réparation qui neuf le 10-2-2021. Au débit de 4 500 dirhams. C'est au débit. C'est entretien et réparation. Donc le 10-2 au débit, c'est 4 500. Total débit, c'est 4 500. Total crédit, c'est 0. Un solde débiteur de 4 500. La prime d'assurance. La prime d'assurance, tu as fait opération Wahda au débit, le 10-2. Le 10-2, c'est 2 500. Total débit, c'est 2 500. Total crédit, c'est 0. Un solde débiteur, c'est 2 500 dirhams. Total débit, total crédit. L'achat de marchandises. L'achat de marchandises qui neuf le 10-5 au débit, c'est 30 000. Ok, neuf le 30-11, c'est à crédit de 8 000 dirhams. Donc, 6 111 l'achat de marchandises qui n'a pas jugé les opérations. Ok, neuf le 10-5 au débit, c'est 30 000. Ok, neuf le 30-11 à crédit, c'est 8 000. Mais l'achat de marchandises, le fournisseur. Donc, total débit, c'est 30 000. Total crédit, c'est 8 000. Un solde débiteur de 22 000 dirhams. Le compte suivant, c'est l'achat de fournitures de bureau. L'achat de fournitures de bureau qui a le 10-5 au débit. C'est le 10-5 au débit qui a une seule opération de 5 000 dirhams. Donc, total débit, c'est 5 000. Total crédit, c'est 0. Un solde débiteur de 5 000 dirhams. Le compte suivant, c'est 7127, c'est location diverses reçues qui n'a fait une seule opération, c'est à crédit. Le 29-7, c'est 7 000 dirhams. Total crédit, c'est 7 000. Total débit, c'est 0. Solde crédit tour, c'est 7 000 dirhams. Les frais de transport, ou seulement le transport, c'est 6142, c'est transport. Fitaye opération Wahda au débit c'est le 15-11, c'est 5 000 dirhams. Total débit c'est 5 000. Total crédit c'est 0. Un solde débiteur de 5 000. La rémunération de personnel, c'est fait opération Wahda. Le 15-11 au débit. Le 15-11 au débit c'est 15 000. Total débit 15 000. Total crédit 0. Un solde débiteur de 15 000. Le compte suivant c'est intérêts et produits assimilés qui n'a fait opération Wahda à crédit, mais les dina l'intérêt sur prêt c'est le 20-12 de 8 000 dirhams. Total crédit c'est 8 000. Total débit c'est 0. Un solde débit créditeur c'est 8 000 dirhams. Le compte suivant c'est la commission, c'est commission et courtage reçu. C'est fait opération Wahda à crédit, c'est le 20-12. C'est 10 000 dirhams. Total crédit, c'est 10 000. Total débit, c'est 0. Un solde créditeur, c'est 10 000 dirhams.
La balance des comptes est un tableau donnant à une date déterminée. Il faut avoir la date, ou qu'est-ce qu'on par période, la fin de la période, soit mensuelle, soit trimestrielle, soit semestrielle, soit annuelle, travail périodique, qu'on dit un tableau. Fille, la liste de tous les comptes classés suivant le plan comptable marocain, avec pour chacun d'eux, le plan, fait le tableau, les rendez-vous, parce qu'on fait le total des sommes porties à son débit, le total des sommes porties à son crédit, dit chaque compte, de la liste des comptes, que le compte fait total débit ou fait total crédit. On fait le solde, soit débiteur, soit solde créditeur. Quand on la balance, de la balance, la fille de type, fait la balance à quatre colonnes, ou fait la balance à six colonnes. Donc, le rôle de la balance, c'est de la balance, il a un double rôle. Qui a dit le premier rôle d'ordinaire, c'est un instrument de contrôle des enregistrements. Et contrôler les enregistrements. C'est un instrument de gestion. L'instrument, qu'on dit bien, la gestion. De la balance, c'est un instrument de contrôle d'enregistrement. Je ne vais contrôler la balance. La balance des comptes est un tableau qui récapitule tous les comptes des grands livres. Les comptes, le grand livre, la balance à une date donnée. Les comptes des grands livres sont classés dans la balance à le numéro des comptes en fonction de leur numéro, le plan comptable. La balance des comptes nous permet de contrôler les enregistrements dans le livre journal et le grand livre. Il a marché l'égalité, mais le total débit, le total crédit, ou le solde débiteur, le solde créditeur, on a fait le livre journal, ou le rapport et le grand livre. Mais dis-je que c'est la balance. Premier contrôle, total des soldes débiteurs, le débit de période est égal au total des soldes créditeurs de débit de période. Les soldes débiteurs, démarrer, c'est oui, soldes créditeurs. Deuxième contrôle, total des mouvements. Et le Canadien, la balance à 6 colonnes, quand je fais le total des mouvements des débits de la période est égal au total des mouvements de crédit de la période. Quand je dis mouvement, dis ma total débit, c'est oui, total crédit. Troisième contrôle, total des soldes débiteurs de fin de période est égal au total des soldes créditeurs de fin de période. Mais de la balance, les rendir d'abord, on dit la balance à quatre colonnes. Et qu'on a dit total débit, c'est au total crédit. Au total des soldes débiteurs, la fin de la période, c'est au total des soldes créditeurs. Deuxième rôle, c'est un instrument de gestion. Document qui renseigne sur la situation de l'entreprise. L'entreprise, qui veut dire la situation financière de l'entreprise et les éléments de résultat. Les éléments de résultat. Je vous la présentation de la balance à quatre colonnes. C'est balance de vérification de l'entreprise ABC au 31-12-2021. Balance de l'entreprise ABC au 31-12-2021. C'est la balance de vérification. C'est une balance à quatre colonnes. C'est la présentation de la balance à quatre colonnes. Le premier compte, on a classé les comptes suivant l'ordre du plan comptable en fonction de leur numéro de compte. Qui mécanise le plan comptable à 10 111, c'est capital social. Le capital social qui m'a sur le grand livre, un jeep total débit, total crédit. Ou le solde, il a dit, il m'a solde débiteur et il m'a solde crédit. Il a dit, le capital social, on dit le grand livre, on dit total débit, qui est le total débit, qui est la somme débit de le capital social, total crédit, qui est la somme crédit du capital social, ou c'est un solde créditeur, qui est la partie de le solde créditeur. On dit, il a dit, le compte, mais il a dit, il a balance. Au final, on dit chez compte, on dit allez, on a dit qu'à la brassasse, mais je m'en glace, floro pour dire les comptes. A dit total débit, c'est 0, total crédit, 300 000, total des soldes débiteurs, c'est 0, ou le solde créditeur, c'est 300 000. Donc, le compte suivant, c'est 1480, c'est emprunt auprès des établissements de crédit. L'emprunt auprès des établissements de crédit, a dit total débit, le rendu de la somme débit c'est 0, ou un des total crédit, c'est le rendu de la somme crédit c'est 300 000, on a dit le solde, on a fait partie des soldes créditeurs c'est 300 000. On
نمسح من هنا ندير عليه شرطه دي توتال ديبي ناسي 0 توتال كريدي سي 300000 لو سول ديبيتور سي 0 عندي سولمون سول كريديتور سي 300000 لو كونت سويفون سي 1486 سي فورنيسور ديموبيليز لو فورنيسور ديموبيليزاسيون عندي توتال ديبي 0 توتال كريدي سي 140000 وعندي ان سول كريديتور سي 140000 Total débit c'est 0, total crédit 140 000, solde débiteur c'est 0, solde créditeur c'est 140 000. Le compte suivant c'est 2236 fonds commerciaux. Fonds commercial, un des total débit 120 000, total crédit c'est 0, ou le solde débiteur c'est 120 000. Total débit, on l'assemble à Mchil débit c'est 120 000, total crédit c'est 0, solde débiteur 120 000, ou solde créditeur c'est 0. Le compte suivant c'est 2346 matériel de transport. Du total débit 300 000, total crédit c'est 0 ou le solde c'est solde débiteur 300 000. Total débit RMJ, la somme débit c'est 300 000, total crédit RMJ, la somme crédit c'est 0, le solde débiteur RMJ, le solde débiteur c'est 300 000. Au solde créditeur, c'est 0. Le compte suivant, c'est 2351, c'est mobilier de bureau. Total débit, c'est 30 000. Total crédit, c'est 0. Solde débiteur, c'est 30 000. Total débit, remchi la somme. Débit, c'est 30 000. Total crédit, c'est 0. Remchi la partie de somme. Crédit, c'est 0. Solde débiteur, c'est 30 000. Solde créditeur, c'est 0. Dis-moi qui qu'on a dit solde. Ouais. Le compte suivant, c'est 3111, c'est marchandises. La marchandise a des total débit 80 000, total crédit 50 000, ou le solde, c'est débiteur 30 000. A des total débit, remchi la somme débit, c'est 80 000, au total crédit, remchi la somme crédit, c'est 50 000, ou le solde débiteur, c'est 30 000. Ou le solde créditeur c'est 0. Le compte suivant c'est 3421, c'est le client a des total débit c'est 65 000, total crédit 0, solde débiteur c'est 65 000. Donc a des total débit 65 000, total crédit 0, le solde débiteur 65 000, solde créditeur c'est 0. Le compte suivant c'est 4411, c'est le fournisseur. Le fournisseur a dit total débit 8 000, total crédit 72 000, au solde créditeur 64 000. Total débit 8 000, total crédit 72 000, solde débiteur 0, le solde créditeur c'est 64 000. Le compte suivant c'est 4450, c'est état créditeur. L'état créditeur c'est total débit c'est 0, total crédit c'est 10 000. Solde débiteur 0, solde créditeur c'est 10 000. Le compte suivant c'est 5141, c'est la banque. La banque, total débit 245 000, au total crédit 65 000, au solde débiteur c'est 180 000. Donc total débit 245 000, total crédit c'est 65 000, au solde débiteur 180 000. Solde créditeur c'est 0. Le compte suivant, c'est 5146, c'est chèque postaux, total débit 50 000, total crédit 25 000, solde débiteur 25 000. Total débit 50 000, total crédit 25 000, un solde débiteur 25 000, solde créditeur c'est 0. Le compte suivant, c'est 5161, c'est la caisse. La caisse. Total débit 65 000, total crédit c'est 0, un solde débiteur c'est 65 000. Total débit 65 000, total crédit 0, solde débiteur 65 000, solde créditeur 0. Le compte suivant c'est 6111, c'est achat de marchandises. Total débit 30 000, total crédit 8 000, solde débiteur 22 000. Total débit 30 000, total crédit 8 000, un solde débiteur 22 000, solde créditeur c'est 0. Le compte suivant 6114, c'est variation des stocks de marchandises.
total débit, c'est 50 000, total crédit, c'est 30 000, un solde débiteur de 20 000, solde créditeur, c'est 0. Le compte suivant, c'est 6125-4, c'est achat de fourniture de bureau. Achat de fourniture de bureau, c'est total débit 5 000, total crédit 0, solde débiteur 5 000. Donc, total débit 5 000, total crédit 0 pour l'achat de fourniture de bureau. Solde débiteur 5 000, solde créditeur c'est 0. Le compte suivant c'est 6133, c'est entretien et réparation. La somme débit ou le total débit c'est 4 500, total crédit c'est 0. Solde débiteur 4 500, solde créditeur c'est 0. Le compte suivant 6143, c'est prime d'assurance. Total débit 2 500, total crédit 0. Total solde débiteur 2 500, solde créditeur c'est 0. Le compte suivant c'est 6142, c'est transport, c'est frais de transport, c'est pas frais de transport, c'est transport. Total débit c'est 5 000, total crédit 0, solde débiteur 5 000, ou le solde créditeur c'est 0. Chaque compte qui a un seul solde. Le compte suivant, c'est 6171, c'est rémunération de personnel, total débit, c'est 15 000, total crédit, 0, un solde débiteur, 15 000, un solde créditeur, c'est 0. Pour le compte suivant, c'est 7111, c'est vente de marchandises, total débit, 0, total crédit, c'est 50 000, solde débiteur, 0, un solde créditeur, 50 000. Le compte suivant 7127-1, c'est location diverses reçues. Total débit 0, total crédit 7 000, un solde débiteur 0, le solde créditeur 7 000. 7127-2, c'est commission et courtage reçues. Total débit 0, total crédit 10 000, solde débiteur 0, solde créditeur 10 000. Le compte suivant c'est 7381, c'est intérêt produit assimilé, total débit 0, total crédit c'est 8 000, solde débiteur 0, solde créditeur c'est 8 000. Et le total, concernant le total, reste le total débit et qu'on y sait où est le total crédit, où est le total du journal. Total débit, c'est où est le total crédit, c'est où est le total du journal. C'est 1 075 000 dirhams. Total débit, reste total crédit. Mais je vais rajouter le total de la balance Kamel. 1 075 000. Et le solde débiteur est égal au solde créditeur de 889 000. Ou le solde total des soldes créditeurs ou 889 000 dirhams. C'est un cas pratique sur le système classique. Ça prend seulement le bilan et le CPC. Ou le bilan ou le CPC rend à partir les soldes. La brin saib le bilan, les CPC rend saibom les soldes. Ou est-ce qu'on a dit le résultat de le bilan? C'est oui, le résultat de CPC. Donc, on se voit la vidéo prochaine. Inch'Allah.